Et donc nous revoici pour la deuxième partie du temps du jour. Donc j'ai oublié de vous prévenir que le temps du jour sera en trois parties puisque nous serons il y aura le matin, l'après-midi et le soir. Donc comme on a avancé d'une heure, je crois bien, et ben c'est un peu difficile de se retrouver. Donc soit il est 14h11, soit il est 15h11. Je pense plus que c'est 15h11 parce que comme on a avancé d'une heure, toutes les pendules ne sont pas forcément mises à l'heure, mais mon téléphone, je pense qu'il le doit parce qu'il dit qu'il est exactement 15h12. Donc je vais le croire, il doit être 15h12. Donc c'est parti pour le temps du jour. Donc comme vous le voyez, un ciel nettement moins voilé que ce matin, encore avec des traînes d'avion, avec du dioxyde de carbone dans le ciel, hein, présent, vous voyez là-bas. Donc s'il n'y avait pas d'avion, je pense que le ciel serait bleu de ciel bleu. Donc le soleil, il est là. Donc un soleil est là, il fait exactement 15,5 degrés. On a augmenté depuis le matin, depuis à peu près 5 degrés. C'est énorme de prendre 5 degrés en quelques heures, puisqu'on n'a pas l'habitude de se prendre des grosses températures au mois de mars. Enfin, fin mars, début avril, puisque l'an dernier, il n'a pas fait autant, il faisait 10-5 degrés dans l'après-midi au mois de mars. Je sais pas, je dis approximativement, mais je pense quand même qu'il faisait cette température-là l'année dernière, même les autres années. Donc, excusez-moi de ce petit retard, mais j'ai pensé à un truc, mais non, rien en fait. Je pensais qu'on était samedi, mais non. Donc là, le ciel, non voilé, à cause des avions, c'est un petit peu normal. Donc à mon avis, l'été arrive et l'été va être caniculaire, puisque là, je ressens déjà la chaleur. Je suis en pull et j'ai déjà chaud. Excusez-moi. Donc on se retrouve ce soir pour la dernière vidéo. Déjà, excusez-moi si je l'ai mis sur YouTube, mais comme je vous ai dit, je peux pas faire de photomontage. C'est impossible avec mon téléphone, puisque de toute façon, il n'y a pas de logiciel de photomontage, il n'y en aura pas. Donc à ce soir tout le monde.